Des pièces de monnaie qui tombent de billets brûlants, des cartes qui changent de costume et du jus qui coule d'un ordinateur portable. Aujourd'hui, on va te montrer comment organiser tout un spectacle de magie et jouer des tours à tes potes. Ton ami est absorbé par sa conversation textuelle? C'est l'heure de la blague! Regarde, c'est quoi ça? Mon doigt a percé le téléphone et il dépasse de l'écran! Et pendant que ton ami effrayé s'enfuit, on te dit comment répéter cette incroyable illusion de doigt. Tu auras besoin d'une pâte à modeler qui sèche à l'air, qui correspond à la couleur de ta peau. Sculpte un doigt. Fais un ongle. Mets un peu de fond de teint au doigt. Étale ça uniformément à l'aide d'un pinceau. Peins l'ongle avec du vernis. Coupe un gobelet en plastique, colle les morceaux au fond. Mets un fond d'écran cassé sur le téléphone. Fixe des fragments de plastique avec du ruban adhésif double face. Colle le doigt au milieu avec de la colle chaude. Cache ton index et tiens le téléphone dans ta main. Waouh, ça a l'air trop réaliste! Pour le prochain tour, tu n'auras besoin que de tes mains. Redresse tes index. Compte jusqu'à 3 et pousse fortement tes mains l'une vers l'autre. Waouh! Le doigt saute d'une main à l'autre et maintenant il y en a 2! Tu peux faire le même tour avec 4 doigts. Un mouvement rapide et les doigts sautent aussi sur la main. Pour ce tour, il suffit d'apprendre à plier rapidement les doigts d'une main et à redresser ceux de l'autre. Même si tout le monde sait que c'est pas de la magie, c'est quand même très impressionnant. Pour le prochain tour, utilise une feuille de papier et un briquet. Pour convaincre le public qu'il n'y a rien de caché, montre la feuille de tous les côtés. Chauffe la feuille avec le briquet. Le papier commence à foncer et un cœur apparaît sur le papier. Comment c'est possible? Pour ce mystérieux tour de la Saint-Valentin, tu auras besoin d'un morceau de papier et d'un bâton de colle. Dessine un cœur avec de la colle. La colle claire est presque invisible sur un fond blanc. Chauffe la feuille sur la flamme et un cœur de colle apparaîtra sur le papier. Ce tour s'avère si romantique! Le chat vidéo ne surprend personne. Mais on sait comment faire une blague aux témoins d'une conversation en ligne. C'est tellement injuste que mon pote de l'autre côté de l'écran mange des biscuits et sirote du jus. Est-ce que je peux aussi avoir du jus, s'il te plaît? J'ai déjà un verre. Mon amie n'est pas trop gourmande, alors elle partage le jus. Et pour que le jus ne se renverse pas sur la table, soulève l'ordinateur portable et verse le jus dans le verre. Ah, la technologie est étonnante de nos jours. Tes amis seront choqués. Pour ce tour, il faut une bouteille en plastique. À l'aide d'un ruban adhésif large, fixe la bouteille au couvercle de l'ordinateur portable. Verse un peu de jus dans la bouteille. Juste un peu, pour que pas une goutte ne se déverse. Au bon moment, incline l'ordinateur portable et verse le jus dans ton verre. Ah, ce sont les merveilles de la technologie! Pour le prochain tour, tu auras besoin d'un verre, d'un disque et d'une pièce de monnaie. Couvre le verre avec le disque. Prends la pièce, fais ta magie et pousse-la dans le petit trou du disque. Comment ça a pu traverser un trou si petit? Pour ce tour, il faut en réalité 2 pièces de monnaie. Appuie sur l'une des pièces sur le disque. Pour que la pièce passe inaperçue, fais-la glisser le long de la surface. Place la pièce sur le bord du verre et appuie dessus avec le disque. Fais semblant de pousser la pièce dans le trou. Un coup. Et la pièce glisse et finit au fond. Cache la deuxième pièce dans ta main. Pas difficile du tout. Qu'est-ce qu'un spectacle de magie sans un tour de sciage de corps? Prends une scie à main et juste devant le public, scie un ami en deux. Hé, elles sont où mes jambes? Prends-les immédiatement. Pour ce tour, tu as besoin d'une boîte en carton et de fausses jambes. Fais-les avec des jeans remplis de vêtements et des baskets. Fais un trou dans la boîte. Place les jambes dans le trou. Au bon moment, détache les jambes de la boîte. Et maintenant, un simple tour avec un briquet. Tourne le briquet dans tes mains et montre les autocollants des deux côtés. Passe ta main au-dessus. Les autocollants disparaissent? Le secret consiste à faire pivoter le briquet de 360 degrés. C'est pas du tout difficile, il suffit de pratiquer.
On continue de faire de la magie. Le magicien a une carte à jouer sur la table. Couvre-la avec tes mains pendant un moment. De la magie ? Le roi s'est transformé en as ! C'est quoi le secret ? Pour ce tour, tu auras besoin de deux cartes. Fixe l'une des cartes sur la table à l'aide de rubans adhésifs double face. Place la deuxième carte sur le dessus. D'un mouvement de doigt agile, traîne la carte hors de la table. Comme à ce moment les cartes sont cachées avec la paume de ta main, personne ne se doutera de rien. C'est là tout le secret du mystérieux renversement des rôles. Il est temps de faire un tour en utilisant de l'argent. Montre à tes amis une facture des deux côtés. Ce coup-là, et une pièce de monnaie tombe. De la magie ! Pour ce tour, il faut une pièce de monnaie et deux billets. Plie un des billets en deux. Découpe-le. À l'aide de rubans adhésifs double face, attache la moitié du billet à l'ensemble. Il faut faire une petite poche. Mets une pièce dedans. D'un coup de poignet, fais tomber la pièce dans ta main. Et pas de magie ! Tu veux un chewing-gum frais à la menthe ? Mâche le chewing-gum. Sors-le de ta bouche et montre-le au public. Un peu de magie, et voilà ! Tu enlèves une pièce entière de chewing-gum ! Pour ce tour, tu auras besoin de deux morceaux de chewing-gum. En fait, mets l'un d'eux dans ta bouche et commence à mâcher. Et cache le second dans ta main, en appuyant sur le majeur à l'intérieur de ta main. À l'aide de ton pouce, sors le chewing-gum de sa cachette. Super facile et super original ! Le prochain tour est un autre tour de cartes. Montre une carte au public. Fais une passe avec une main, et la carte change de couleur et de numéro de façon magique. La réponse est, il te faut deux cartes. Mets une carte derrière l'autre. Au bon moment, déplace la carte et tourne-la sur un bord en claquant les doigts. Si tu le fais correctement, la carte cachée ne sera pas visible du tout. C'est très impressionnant! Une boîte en carton apparaît sur le ring. Retourne-la plusieurs fois. Ouvre la boîte et sors un verre d'eau. Comment est-ce que l'eau ne s'est pas déversée dans la boîte ? Tu auras besoin d'un ballon et d'un verre d'eau. Coupe la partie étroite du ballon. Étends-la sur le verre. Mets le verre fermé dans la boîte. Le verre est fermé hermétiquement, de sorte qu'aucune goutte n'en sortira. Sors le verre de la boîte. Retire discrètement le ballon et cache-le dans ton poing. C'est là tout le secret! Et pour ce tour, il faut un petit bocal en verre. Secoue vivement le bocal, et un grand pompon lumineux apparaît à l'intérieur. Mais c'est apparu d'où alors? Prends un pompon et pince-le entre tes doigts. Couvre-le avec ton autre main. Pousse le pompon avec le doigt de la main inférieure pour le faire entrer dans le bocal. L'apparition soudaine d'un pompon surprendra même les sceptiques les plus sérieux. Et maintenant, on va te montrer un tour amusant avec un élastique. Étire-le avec tes pouces. Enroule-le fermement sur un doigt. Et puis, tire fort. Waouh, ça passe par le doigt ! Comment c'est possible ? Le secret, c'est que l'élastique est maintenu sur le doigt à l'aide d'une boucle secrète comme celle-ci. Tire sur le bout, et la boucle se déroule et l'élastique s'envole du doigt. Ça a l'air spectaculaire ! On va te montrer un autre truc avec de l'argent. Tiens le billet avec une pince ronde. Mets-y le feu. Le billet brûle et des pièces en tombent. Tu auras besoin d'un petit morceau de papier. Colle-le au dos du billet. Mets les pièces dedans. Quand le papier brûle, les pièces tombent toutes seules dans l'assiette. Tu as aimé nos tours et nos illusions ? Écris dans tes commentaires laquelle de ces illusions tu vas faire à tes potes. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les tutoriels pour les tours les plus étonnants sur TromTrom.